Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale, on va voir un nouveau deck. Là-dedans ce que j'ai mis des petites troupes pour défendre et en même temps qui attaquent plutôt pas mal. Parce que ça sert d'avoir beaucoup de défense et beaucoup d'attaque en même temps, c'est plutôt pratique. Et donc j'ai mis les trois troupes là, donc celui-là qui défend beaucoup beaucoup. Celle-là qui attaque plutôt pas mal et qui en même temps aussi attaque les airs, c'est très important. Donc ça qui attaque plutôt pas mal et qui défend vraiment pas mal. Le tout avec un sort de rage, des fois ça peut être pas mal, tu vois, quand on attaque l'ennemi. Voilà, donc toujours mettre un petit sort de rage qui coûte pas très cher, donc c'est pratique, hein, tout simplement. Après j'ai mis un géant quand même pour pouvoir tanker un minimum, parce que avec ces troupes là, si tu tankes pas, bah ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Donc tu mets un bon petit géant qui tank, ça fait plaisir. Après ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite boule de feu pour les petits génies qui ont des gargouilles ou qui ont des grosses troupes, hein, enfin des troupes de masse ou des grosses troupes, enfin bon, pour niquer les troupes quoi, tout simplement, boum, comme ça, une petite bombe, enfin une petite boule de feu, ça fait tout péter. Après j'ai mis une Valkyrie pour tout ce qui est barbares, enfin groupe de barbares ou des trucs comme ça, pour les groupes qui sont chiants quoi, pour tout défoncer. Et après j'ai mis des flèches au cas où, pareil, hein, pour si jamais on n'a pas la boule de feu, on a les flèches, boum, hop, c'est parti, on envoie, et puis voilà. Hein. Donc du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un premier combat, et puis après, je ferai d'autres attaques que je mettrai en description si vous voulez aller voir. Et puis voilà, donc c'est parti, on se fait un petit premier combat pour voir ce que ça donne avec ce deck. Donc en espérant qu'il soit plutôt puissant. Pour l'instant, je sais pas trop comment je vais attaquer avec. Tu vois, déjà là, on commence, on a Valkyrie, machin là. Ouais, je sais vraiment pas trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça, et puis on va envoyer ça devant. Déjà là, on va voir ce que ça donne. Déjà là, on va voir ce que ça donne. Ok, donc direct, il envoie les. Ok. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va tout simplement. Hop, on va faire ça. Et puis, on va faire ça derrière. Voilà, on va se faire plaisir. Hop, nickel ou pas? Ouais, on va dire que ça va. On a plutôt bien défendu. Voilà, donc là, déjà, on pourra faire un peu plus sérieux. Alors, le mec a gelé comme une merde. Malheureusement pour lui. Voilà, donc on va faire ça. Hop, on va faire ça. Et puis on va faire ça. Allez, allez, on est des fous, voilà. Et on met le petit sort de rage juste là, histoire de bien booster tout ça. Et vas-y, nique la tour. Voilà, vous avez vu? Le sort de rage, limite indispensable. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Franchement, ça fait plaisir. Déjà, première attaque, on nique tout. Ça, c'est pas mal. Ok, voilà. Donc jusque là, je pense que tout va bien. On va voir à peu près combien ça fait de, tu vois, combien ça fait de dégâts sur elle, juste pour voir. Boum! Ouais, ça va, ça fait pas mal de dégâts, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. L'adversaire a quitté le combat, t'es sérieux là? T'es sérieux gros? Non, il a pas quitté, c'est pas possible. Putain, bon, à mon avis, je pense que c'est un problème de son téléphone ou j'en sais trop rien. Ça a dû bugger chez lui. Parce que c'est. Enfin, je sais pas, quoi, tu quittes pas maintenant, quoi. Il y a toujours une chance qu'il y arrive, quoi. Putain, il a dû avoir le seum ou j'en sais rien. Bon, ça fait plaisir. Voilà, donc première attaque, ça a démontré un peu la puissance quand même du deck. Ça a l'air de donner quelque chose de puissant. Enfin, je sais pas. Voilà, donc on a vu ça. Voilà, donc ça dure pas très longtemps. C'est fait exprès, voilà, histoire de voir un maximum sur le deck en un minimum de temps. Voilà, et après, si vous en voulez plus, je vous invite à aller dans la description pour voir au niveau des attaques, voir ce que ça peut donner. Je vais en faire 2-3. Pour voir à peu près un peu plus poussé qu'est-ce qui peut nous contrer tout ça et voilà. Donc alors jusqu'ici, ce qui pourrait nous contrer, je vois bien, ça serait des flèches. Ou même voir une boule de feu ou une roquette. Ça pourrait bien nous contrer. Si on met le géant et on met les troupes là derrière, il suffit qu'il envoie une boule de feu et le mec il se fait plaisir quoi. Ou même une roquette, il se fait quand même pas mal plaisir. Bon après voilà hein, contre elle, il n'y a pas grand-chose qui contre, hein. Il faut du Valkyrie ou du P.K. enfin du mini P.K. enfin il faut des grosses troupes quoi, hein, ou même du chevalier pour contrer elle. Mais il suffit que tu mettes un peu ça derrière et puis voilà, ça défonce pas mal. Ou même pour contrer une Valkyrie, tu mets une Valkyrie, c'est pas mal aussi, hein. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui peut contrer ça. Enfin, on va dire il y a tout et en même temps il y a rien quoi. Voilà, c'est un peu ça le truc. Mais bon, on va voir ça. On va voir ça avec d'autres attaques. Donc voilà, donc cette vidéo est finie, hein. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.
Et puis voilà, allez, moi je vous dis ciao, je vous dis une prochaine vidéo, allez ciao tout le monde, ciao, et n'oubliez pas, restez cool.